un sujet qui va inspirer tout de suite après ceci le philosophe Bertrand Vergely. Il n'y aura plus d'influenceurs, plus d'influenceuses, plus de Miss, plus de concours de beauté. Oui, il y en aura un seul, celui organisé par l'intelligence artificielle. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je suis belle, je suis intelligente, je suis Miss France, mais je suis une intelligence artificielle. Je séduis avec ma voix mécanique, ma beauté synthétique, c'est son éveil. Alors vous voyez, là, l'auditeur du Sud Radio, résistant Sud Radio, ça, vous savez, quand ça a été fait en 10 secondes. Notre réalisateur Thibaut Sadler a donné une application d'intelligence artificielle en disant voilà, on veut une femme, Miss France, qui dit qu'elle est très belle et qu'elle est intelligence artificielle. En 10 secondes, je suis témoin, et regardez, en 10 secondes, on a eu la chanson. On a eu, mais encore un tout petit peu, Thibaut, on a eu ceci. On a eu, voilà, ce que vous avez écouté. Je suis belle, je suis intelligente. Je suis Miss France, mais je suis une intelligence artificielle. Mais qui est cette chanteuse? Elle n'existe pas. Avec ma voix mécanique. Voilà, et pourquoi on en parle? Parce que ça y est, le premier concours de beauté qui met en compétition des candidates virtuelles aura lieu le 10 mai prochain. Voilà, ça y est, un concours de beauté. Des femmes générées de toutes pièces par l'AI, voilà. Et on dira, voilà, la plus belle, etc. D'ailleurs, on a vu des photos, elles sont absolument sublimes. Il y a Altana Lopez, qui est coach fitness virtuelle. Elle est membre du jury. Elle n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle, mais elle est membre du jury du concours qui va désigner la Miss Intelligence Artificielle. C'est pas beau ça. Ça, c'est quand même très 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 intéressant de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que on a mis, alors les filles, on a regardé déjà absolument sublime, là, des créatures superbes. Donc déjà, ça va faire... Alors, ils vont se faire traiter, évidemment, de sexistes et de misogynes, les gens qui ont organisé ça. Mais il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Mais on veut des poses suggestives, etc. Et il faut savoir que les deux figures majeures de l'intelligence artificielle s'appellent Emily Pellegrini et Aitana Lopez. Encore les deux parties du jury. Le profil de Altana Lopez rapporterait déjà 11 000 $ par mois, toujours selon Forbes, la revue Forbes, et cumule déjà plus de 300 000 followers, 300 000 suiveurs, 300 000 amateurs sur Instagram. Cheveux roses, plastique irréprochable, voilà, et elle confie dans sa bio Instagram, parce qu'évidemment elle a une bio, elle a une âme de gameuse, une âme de joueuse, et elle adore le sport. C'est pas beau ça? Mais de quoi vous avez besoin? Mais de quoi vous avez encore besoin? Voilà, elles vont être là, elles ou ils, etc. Et puis pour les femmes, et puis pour les autres, il y aura effectivement des Ken, comme il y aura eu des Barbie de l'intelligence artificielle, tout ça, et voilà. Alors, il y a des... Alors, les entrepreneurs du jury, il y a quand même des personnes, oui, des vrais, un entrepreneur et une historienne, voilà. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'on dit, mais qu'est-ce que vous faites là, puisqu'il y a des gens d'intelligence artificielle, vous n'avez plus besoin d'avoir un jury. Si, si. Ah, il ne s'agit pas d'avoir des fesses, des seins et des silhouettes fantaisistes. Les créateurs ont la possibilité de changer la perception locale le public des femmes dotées d'intelligence artificielle, et j'espère jouer un rôle à cet égard en sélectionnant une gagnante qui incarne le monde moderne. Voilà. Donc, le 10 mai, à l'issue du concours qui permettra à la grande gagnante de remporter 15 000 $, dont 8 000 répartis entre un accès au programme de mentorat et un soutien aux relations publiques. Voilà. Et puis le reste, les deuxièmes et troisièmes au podium auront aussi des prix. Voilà. On y est. Ça y est. On bascule. Ou pas. On en parlera avec Bertrand Vergely tout à l'heure.